Shalom Alechem, on est dans Shaar HaTshuvah. Comme il nous a dit deux choses, le Rav, il y a 600 choses qui vont réveiller l'homme, le cœur de l'homme pour faire Tshuvah. Et maintenant on est dans la cinquième. Il nous dit le Rav, Achamishi kasha yagiu, aseret yemei Tshuvah, az kol adam yorer libo vizdaazea neged yom hadin, yachshov ki kol ma'asav baseper nichtavim. ובעת ההיא האלוהים יביא במשפט את כל מעשה וכל מה נעלם עם טוב ועם רע כי האדם נידון בראש השנה וגזר דין נחתם ביום הכיפורים אני אומר לו רב quand les 10 jours de pénitence ils arrivent ça c'est entre Rosh Hashanah et Yom HaKippurim ces 10 jours là HaKadosh Baruch Hu lui il attend de chacun pour s'approcher vers lui il nous donne toute la possibilité de s'approcher. Et l'homme, il a intérêt de prendre ces jours-là. Comme il dit le Harizal, ces jours-là, c'est des jours qui sont équivalents aux jours de l'année. Un jour, c'est comme, par exemple, dimanche, c'est équivalent à tous les dimanches de toute l'année. Si tu fais tchouba ce jour-là, dimanche, tu fais tchouba sur tous les dimanches de toute l'année, etc. Az kol adam yehorer libo. Ce jour-là, un homme, il faut qu'il réveille son cœur et il faut qu'il fait tremble. Il tremble. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans 10 jours après Rosh Hashanah? Ça va être tranché. Khatima. À Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, lui, il décrète. Trois livres ils sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Le livre des vies, le livre des morts. Benoniim, il y a aussi des Benoniim. Il y a les Rechaim et les Tzadikim. Benoniim, ceux-là qui sont entre et les Rechaim, que automatiquement Akadosh Baruch Hu déjà, il a déjà fait le Xardin. Il y a des tzadikim, automatiquement, quand le Bohu, il donne à Rosh Hashanah, déjà, il lui donne tout ce qu'il doit recevoir. Et les bédonim, c'est ceux-là qui sont cloués, bédonim, qui sont suspendus. Ils attendent, ils ont encore 10 jours pour faire tchouba. Ça serait été mis tchouba. S'ils sont bédonim, ça dépend de leurs actions. Il faut prendre le détail. Le rabbi il va nous dire, il va nous éclaircir comment aussi, plus loin, il va nous éclaircir comment on fait tchouba. Tchouba, c'est pas très difficile de faire tchouba. Ton cœur est dans ta bouche de le faire. C'est-à-dire que quand un homme lui prend et réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est collé à un rabbi, que le rabbi lui explique comment faire tchouba. Alors maintenant, il a ces 10 jours-là. Et il y a Sifrei Metim et Sifrei Haim Ptuchim, le livre des vivants et des morts. Il y a même les morts qui sont jugés. Comme la Gemara dit que quand Shmuel Hanavi il est décédé et Shaoul le roi il a voulu faire la guerre avec qui? Avec les Philistim. Comme il a voulu faire la guerre avec les Philistim. Puisqu'après qu'il a tué les 80 Kohanim, alors ils n'ont pas voulu lui répondre, Minashamay. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est déguisé et il a été voir une sorcière. Comme avant, elle a tué tous les sorciers, comme c'est écrit dans la Torah. Mahashefa lo tehaye. Alors il n'y avait plus de sorciers. Les sorciers, des sorcières maintenant. Et lui, et elle ne savait pas que c'était le roi, puisqu'il s'est déguisé. Alors, elle a demandé à Shaoul Améler, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, je veux que tu fasses descendre Shmuel Hanavi. Elle a fait descendre Shmuel Hanavi. Mais Shmuel Hanavi, au lieu de descendre avec les pieds en haut et la tête en bas, comme ça c'était avant, quand tu fais revenir une Neshama dans ce monde-là, les pieds sont en bas. Et la tête, elle est en... Les pieds sont en haut et la tête, elle est en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque maintenant, Shaoul, lui, c'est le roi. Alors, il a eu une apparence que sa tête, elle est en haut et ses pieds sont en bas. Et elle a pris peur.
Elle a dit, toi tu es le roi. Pourquoi? Comment je sais que tu es le roi? Parce qu'il est descendu d'une façon pas comme d'habitude. Pour le kavod du malchut, pour l'honneur de la royauté. Et quand Shmuel il est venu, il a engueulé Shaoul. Il a dit, pourquoi tu m'as fait sortir de mon endroit? Pourquoi Shmuel il pleure? Il crie. Shmuel il crie parce que il avait peur, il a cru qu'on le jugeait. Alors il a emmené avec lui Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est venu témoigner que Shmuel il a fait toute la Torah. Comme Shmuel, lui, il croyait que c'était un jugement, comme un homme, lui, il est jugé, même après 120 ans, après qu'il meurt, il revient devant Akadosh Baruch Hu et on le juge. Qu'est-ce que tu as laissé dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu as fait? Etc. Tous les ans, les morts et les vivants, ils sont jugés. Alors maintenant, les Aseret Yamei Teshuva, Azgol Adam Yehorer, un homme, lui, il faut qu'il tremble, il faut qu'il se réveille. Du jour à Gadol, que là on signe, c'est Yom Kippourim. Qui Yarchov, qui Chol Ma'asav, et Sefer Nichtavim, il faut que lui qu'il pense que toutes ses actions, ils sont écrits dans le livre. Obaetai, et dans ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, lui, le juge. Toutes les actions que le bonhomme il a fait pendant toute sa vie, pendant toute l'année, et toute action, même en cachette, bon, positif ou négatif, qui a Adam Niton de Rosh Hashanah, ou Zardi Nechtam Yom Kippourim, que le jour de Rosh Hashanah, on le juge, et Yom Kippourim, on tranche. Alors, Beshaa, Shebevihim, Adam et Mishpat, Ifne Melech, si par exemple, un homme, il va être jugé devant un roi, un homme qui est de peau et de chair et de os, des ossements, comment un homme, il va commencer à trembler? Il ne sait pas si maintenant le roi, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il faut le tuer. Comment il va commencer à trembler le bonhomme? Les gens, ils arrivent à Kippour, ils rigolent. Des fois, ils ne se posent même pas de questions, etc. Tout cela, le bonhomme, mais pourquoi? Parce que c'est manque de conscience. Il ne sait pas qu'un homme... Tout ce qui se passe pendant toute l'année, c'est parce que ça a été déjà signé Yom Kippourim. Yom Kippourim, il est arrivé, ils ont signé. Comment c'est possible qu'un homme, lui, maintenant, il ne fait pas de tchouva ce jour-là, ou il passe à côté de la tchouva, parce qu'il n'est pas conscient. Il a un manque de conscience. Un homme, lui, il entend, tous les jours, on entend des choses. Il entend des fois des bonnes choses. Ou etc. Des choses qui ne sont pas trop positives que nous on entend chez Mishmo. Tout ça, ça a été décrété, Rosh Hashanah, et puis ça a été scellé, Yom Kippourim. Comment un homme, lui, il ne peut même pas faire une petite réflexion? Comment il ne peut même pas se donner Mamash ce jour-là, qui c'est un jour qui est très important? Et c'est pour si maintenant un homme lui va être jugé devant Akadosh Baruch ou devant un homme. Qu'est-ce qui se passe? Comment un homme lui va commencer à chercher des etzot? Etzot c'est des conseils. Comment je vais faire comme ça? Quand le roi il va me dire comme ça? Comment le... etc. Des conseils. Veloya le alibo la asot shum davar aher zulatil imzot skut. Ech itatzel. C'est sûr qu'un homme lui il va pas être atzlan. Atzlan, ça veut dire paresseux. Être paresseux. C'est sûr que lui, pour le jour qu'il va être jugé devant le roi, par exemple, ici, dans ce monde-là, c'est sûr qu'il ne va pas être paresseux. Comment il y en a des gens, il nous dit le Rav, qui sont imbéciles. Pourquoi ils sont imbéciles? Parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire le jugement. Dans ce monde, Bezat Hashem, quand Akadosh Baruch Hu, il juge. Il nous juge tous les jours, selon les actions.
Et comme un homme, lui, oskim bedvarim betelim, zulati atchubarim tsohen, ifne adayan agadol, qu'il s'occupe selon des actions, des choses qui sont inutiles. Et ils ne font pas tchouva, ils ne s'approchent pas devant Akadosh Baruch Hu, devant le Dayan Agadol, le juge qui est énorme. C'est pour cela, tout un homme qui craint le ciel, Kippour, juste avant Kippour, de se préparer pendant les jours de pénitence, ces 10 jours là maintenant. Un homme, lui, il a donné ces 10 jours. Pourquoi il a donné? Il a donné pour qu'un homme, lui, il réfléchit, il agit, il est metaken ma'asav. Il répare ses actions. Lo yaase kinyane haolam shemit'annim. Alors maintenant, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a des gens qui vont jeûner. Ils vont jeûner. Comme tout Kippour, ils vont jeûner. Au Magdivi, ils vont se lever même le matin de bonne heure pour prier. Mais par contre, ils n'ont pas de réflexion. De quoi? Pour chercher dans les péchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un homme, il a fait des péchés. C'est vrai, bon, mais j'étais jeune. Oui, mais regrette. Regrette ces péchés. Baruch Hashem, tu t'approches devant Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, tu es un jour devant la Hatima. Akadosh Baruch Hu, il va signer qu'est-ce qui va être pendant toute l'année. Pourquoi tu ne te prends pas en main? Pourquoi tu ne fais pas une réflexion? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Les bêtises que j'ai fait. Il y en a des chambres, ils arrivent, Yom HaKippourim, et ils arrivent à El Nora Alila, et ils ne réfléchissent même pas. De regretter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regretter, c'est quoi regretter? Regretter de toutes tes forces. Toutes les bêtises que tu as fait, que tu as traîné pendant des années. Il y en a un qui est venu vers un grand rave, il a dit, bon, rave, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas, mon fils? Il dit, voilà, j'ai fait chouba. J'ai fait chouba. Voilà, j'ai une qui passe dans la tête. Je suis chômeur Torah, mitzvot, pareil que Shabbat. Il y en a qui vient, je suis chômeur Shabbat. Mais la Torah, c'est pareil que Shabbat. C'est déjà bien que tu aies chômeur Shabbat, c'est magnifique. Mais la Torah, c'est pareil que Shabbat. La Torah, il y a 613 mitzvot. Je fais tous les mitzvot, Kvod Arav. Il dit, c'est magnifique alors. Qu'est-ce qui se passe? Kvod Arav, j'arrive pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La situation, elle est grave. Au niveau de cela, au niveau de cela, etc., etc. Le Rav, il a regardé, il a dit, mon fils, tu as regretté. Il dit, regretté de quoi, le Rav? Tu as regretté, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune? Ou même les Averot que tu fais, sans faire attention? Tu as regretté au fond de ton cœur. Il dit, mais gros d'arabe, c'était quand j'étais jeune. Et alors, si tu étais jeune, pour faire tchouva, il y a 3 choses. Aziva tachet, de arrêter de faire le péché. Kabbalah la hatit, de prendre sur toi, de ne pas refaire le péché. Et c'est de regretter. Regretter. Ça veut dire que tu effaces ta faute. Si la faute, elle est encore là, elle crie encore devant Kadosh Baruch Hu tous les jours. Celui-là, il m'a créé. Je veux que tu lui fais tant et tant. Elle vient, elle accuse le bonhomme. Si un homme, lui, se prend en main, il regrette. C'est rien qu'une petite réflexion. Et doucement, doucement, avec la conscience, le bonhomme, il comprend comment il était loin d'Kadosh Baruch Hu. Il dit, regarde, va les namochim arachon, negeda, bonon, de segel, même, quand maintenant eux, ils se remettent en question, ils se remettent pas en question à réfléchir qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier, ils vont faire taranit, ils vont faire le vidouille. Comme il y en a un qui est venu vers le rabbin, il dit, bon, arabe, à la fin de Kippour, je suis défoncé. Le rabbin lui dit, pourquoi? Comment t'es défoncé? Il dit, parce que arabe, quand moi je dis Hatati, je prends un élan avec le poing, un gros coup de poing, et Hatati, et à la fin je suis à plat. Alors il dit, mais c'est pas ça. Quand je me retrouve, il veut pas ça. Il veut pas que tu te défonces. Quand je me retrouve, il veut une chose.
dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Le regret, c'est dans ton cœur. Comment on a le regret? Le regret, on a avec la conscience. Dat kanita mahasata. Tu as acheté la conscience. Tu as acheté le bonheur. Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire la Kadosh Baruch Hu? Et il dit, c'est pas comme les gens qui viennent à la tfila, ils font le ta'anit, et il est mitvadé, et il fait le vido, il dit hatati, aviti, pajati, j'ai fait ça et ça, etc. Ve'ochez, vidracha, v'rechonim, ender, c'est tchouva. Et il continue à faire les mêmes bêtises. Il s'habille pas betzniout. Il est chômeur Shabbat, mais pas comme il faut. Je suis traditionnaliste. Il y a des gens qui disent, excuse-moi, tu n'es pas traditionnaliste. Tu as un juif qui fait des fautes et un juif qui fait des mitzvot de temps en temps. Traditionnaliste, il n'y a pas dans le judaïsme. D'être juif, ça veut dire d'accomplir tous les mitzvot de toute de la Torah entière, 613 mitzvot en tout. Ah, c'est un peu difficile. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Tu as pris des mauvaises habitudes. Pendant 400 ans, 1000 ans, 2000 ans, Amisa, ils sont dans la galoute. Ils ont pris des mauvaises habitudes. Essaye de prendre les bonnes habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre les bonnes habitudes? Prends-toi un bon chiour, un bon rab qui va t'enseigner le chemin de la Torah, le chemin de la Tshuva. Et là, il t'aurera, Adam la souris, il faut qu'un homme qui se réveille de faire tchouva, shlema, dans la haseret yemit tchouva. Parce que ces jours-là, c'est des jours que Akadosh Baruch Hu, il est là, il est à côté de toi. C'est pas comme pendant toute l'année. Pendant toute l'année, Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle attend quand il y en a 10. Ces jours-là, tu es seul avec Akadosh Baruch Hu. Où tu te trouves, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Shem et ratzon, va tfila nishmat baim. C'est un moment presque propice. Que la tfila, elle s'écoute. Que tu es seul avec Akadosh Baruch Hu, où tu vas. Comme chez Nema, Be'et Ratzon Aniticha, Obiom Yeshua, Zivaticha. Et Abou Rabotem de Yeshua, Shem Bimatso. Demande à Akadosh Baruch Hu qui se trouve là à côté de toi. Les dix jours de pénitence, Akadosh Baruch Hu, il est devant toi, il t'attend. Prie, parle. Elo Asara, Yamim, Shemen Rosh Hashanah, les Yom Akipurim. Que ça, c'est les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Akipurim. Ils ont dit les Chachamim dans ma Maseret Yoma Daf Pe He Amud Bet. C'est écrit là-bas que Yom Kippour, il efface les fautes avec la Tshuva. Al Ken Iziranu Akatuv Shenashuv Venita'er Lifnei Hashem Baruch Hu B'Tshuvatenu Yichaper Alenu B'Yom Hazeh Leta'er Otanu. Ce jour-là, c'est un jour Yom Kippourim qui va Yom Hazé et Taher etchem. Ken Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaru. Akadosh Baruch Hu, lui, il t'efface les fautes. Mais ça dépend si tu fais une tchouva avec. Si cette tchouva maintenant, elle n'est pas avec Yom Kippourim, la tchouva, c'est tous les jours. Il y en a qui ne faut pas attendre Yom Kippourim. C'est bon, Yom Kippourim, je fais jusqu'à maintenant tous les cours que je veux, tout ce que je veux, je fais. Yom Kippourim, il arrive. Et je demande pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est faux. C'est faux. Non, il faut qu'il se voit que tous les jours, c'est comme Yom Kippour. Et comme c'est un peu difficile, c'est un peu difficile d'avoir une réflexion comme Yom Kippourim tous les jours. Bechol begadecha yu levanim. Tes habits, il faut qu'ils soient tout en blanc. C'est comme par exemple un homme que lui, qui a une cruche d'huile sur sa tête. Il a une cruche de l'huile et il marche. Fais attention que s'il fait un pas qui n'est pas correct, l'huile peut lui tomber sur son habit et puis après il aura une tache. Comme ça, un homme, il faut qu'il ait tout le temps. C'est un peu difficile. Ah ben, c'est une question d'habitude. Il faut savoir comment parler aux gens. Il faut savoir comment parler avec son prochain. Comment se comporter avec dans chaque mitzvah et mitzvah. Même dans le business, c'est difficile. Aval, c'est une question d'habitude. Bezat Hashem, Hashem Izakenu, et kol am Yisrael, she'erzeru b'tshuva shlema, ve'anachnu bezat Hashem, biad goel tzedek.
Amen.